Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct. Je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir ce matin pour cette séance de renforcement musculaire dédiée aux jambes. Alors vous allez voir, quelques petits squats, quelques petites fentes avant, fentes arrière, fentes latérales, tout ça en 26 minutes. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Josh. Salut Josh. À la maison, j'espère que vous êtes en forme. Nous ici, nous le sommes. C'est parti pour l'échauffement. Allez, inspirez, grandissez. Expirez, relâchez, balancez. Encore une fois. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez. Tranquillement, squat à pas droite. On commence gentiment, tranquillement, les amis. Ça va chauffer tout à l'heure, vous allez voir. Droite, gauche encore. Fléchissez vos jambes. Gardez le nombril à l'intérieur. Poitrine haute et fière. Et talons, fesses ensemble. Posez bien le talon et ramenez-le bien à chaque fois ensuite vers la fesse. Parfait, l'articulation du genou on la mobilise. Hein. Est-ce qu'on peut rajouter les bras? Poussez à chaque fois, essayez de croiser vos doigts, croiser vos mains. Une. Un peu plus. Hop, hop. Bien. Très bien, step touch normaux. Droite, gauche, enroulez vos épaules. Enroulez vos épaules. Encore, gardez les mains sur les hanches, mais enroulez vos épaules. Enroulez encore un petit peu. Lâchez les bras. Tendu, fléchi, avec nous. Hop. Ramenez devant, derrière. Loin devant. Les toutes dernières. Ok, squat tap. Droite, gauche, droite, gauche. Descendez un peu plus sur vos jambes. Inspirez, expirez. Très bien. Ralentissez complètement. Sur le côté, glissez. 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 Encore. Glissez. Laissez les jambes larges. Redressez-vous. Petit squat, large. Inspirez, expirez normalement. Un peu plus. Voilà. Continuez, continuez. 30 secondes. Bras devant pour finir. 4, 3, 2. Restez en bas. On reste, on tient. On tient encore un tout petit peu. Résistez encore. 4, 3, 2, 1. Et vous ramenez. Point de talon. Croisez les doigts. Grandissez-vous comme au début. Ouvrez. Relâchez encore une fois. Croisez. Grandissez-vous. Relâchez tranquillement. C'est la fin de l'échauffement. On passe au renforcement musculaire. Très bien, les pointes de pied légèrement sur les extérieurs. Vous allez lentement descendre sur un squat et vous allez revenir lentement. On essaye ça ensemble, c'est parti. Et on revient. Les fessiers vers l'arrière et vous ramenez. Fessiers vers l'arrière et vous ramenez, parfait. Appuyez sur vos talons. Descendez. Poussez, expirez. Descendez, poussez, expirez, un peu plus, préparez-vous, appuyez plus fermement, très bien, rapide en bas et restez, stop, appuyez un peu plus sur vos talons, rentrez un peu plus le ventre, tendez vos bras en avant, descendez d'un petit centimètre, levez-vous doucement, prêt pour les singles, on y va, une et soufflez. Parfait. Allez. Alors vous allez voir, au début, on sent pas grand-chose. Tout à l'heure. Un peu plus. Une. Je pousse, j'expire. Je pousse, j'expire. Même chose. Parfait. Encore une fois. Très bien. En haut, vous restez. Décalez la jambe droite à droite. Un. Ramenez. Deux. Ramenez. Hop. Squat large. Et je reviens.
en bas et j'expire. Bien. On essaie l'autre jambe, l'autre côté. Une et appuyez, poussez. Rentrez dans le cours. Allez. Encore deux. On revient sur le premier exercice, mais beaucoup plus lentement. Deux, deux. Une, deux. Parfait. Squat. Et je reviens. Squat. Et je pousse. Nickel. Ralentissez un peu plus la descente. Comptez 1, 2 et 3. Chop. Et 3. Chop. Bien. Accentuez la contraction des fesses lorsque vous êtes en haut. Tout le monde reste en bas. Chop. Tendez les bras. Résistez. Là, vous devez commencer à ressentir un peu votre cuisse juste devant. Tirez, brûlez, cramez. Statique toujours, mais un centimètre plus bas. Hop là. Résistez. Serrez les abdos. Sortez la poitrine. Pas fini. Restez encore un peu maintenant. Restez encore un peu. Restez encore un tout petit peu. Préparez-vous bientôt l'effort intense. Commencez à vous lever. Commencez à vous lever. Oui. Toute petite en bas. Hop. Voilà. Allez, petit squat. Hop. Hop. Il faut que ça brûle. Il faut que ça travaille. On essaye. Encore un peu. Là, vous y êtes. Donnez-moi les dernières. Quatre fois. Trois fois seulement. Deux. Levez-vous. Relâchez vite fait les jambes. Jambe droite derrière. Fente. Un. 2, 3, la même chose. 1, 2, 3, 90 degrés de flexion sur les deux jambes lorsque je suis en bas. Bien, changez de jambe. L'autre, saccadez et revenez. Loin derrière. Et mon talon toujours levé. Loin et je pousse. Loin. Bien, rechangez de jambe une nouvelle fois. Une, hop. Et je pousse. Parfait. Un. Encore une. Parfait. L'autre côté. La poitrine un peu plus haute. Ne vous tassez pas. D'accord? Un. Encore deux fois ici. Une. Ça, c'est l'option saccadée. Hein? Dernière fois. De l'autre côté. Beaucoup plus rapide. Un. Et je reviens. Utilisez les bras comme si vous couriez. Si l'option rapide est trop difficile pour vous, revenez à l'option saccadée. Toujours la même jambe. Toujours la même jambe. Un. Et je pousse. Oui. Allez. Un. Poussez. Parfait. Revenez sur un squat comme au début. Deux et deux. Une. Deux. Inspirez, expirez, les mains pour l'instant rangées. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est spécial jambes. 3 pour descendre. 2, 1, et je me lève. Et je me lève. Encore une fois. Restez en bas tout le monde. Stop. On tient. Résistez. Tenez. On tient, on inspire, on expire. Un centimètre plus bas. Redressez-vous lentement. 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 Prêt pour l'autre jambe arrière. Décontracté. On y va. Oh oh. Un. Allez. Projetez la jambe. Revenez. Hop. Voilà. Maintenant qu'on le connaît bien, on va chercher un peu plus bas. Une. Parfait. Chop. Nickel. On a besoin d'un mètre carré autour. Ça suffit. Encore. Prêt. Petit squat. Petit squat. Hop. Hop.
Allez, allez, toute petite. Allez les chercher, toute petite. Un peu plus, un peu plus. Donnez-moi les dernières, un peu plus. Hop, hop, hop. Venez encore un tout petit peu plus. Inspirez, expirez. Prêt pour le blocage? On reste. Tendez les bras. Allongez la colonne. Revenez gentiment. Saccadez la fente arrière. 1, 2, 3. L'autre jambe. 1, 2. Histoire de récupérer. L'autre. Encore une. Prêt pour les fentes dynamiques de l'autre côté? C'est parti. 1, tout de suite. 2. Hop. Éloignez le talon derrière. Laissez l'autre à plat devant. Bien. Enchaînez l'autre côté. Maintenant, une. Venez, 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 venez. Inspire, expire. On est pas mal. Très bien. On refait l'autre côté. Maintenant, une. L'autre côté. Maintenant, une. Bien. Les deux jambes côte à côte, les deux jambes côte à côte. Petit squat. Inspirez, expirez. Les bras fléchis devant vous. Appuyez un peu plus vers l'arrière. N'allez pas chercher devant avec les genoux. Allez chercher derrière. Ça plus bas. Hop. Les fesses bougent. Les fesses bougent encore un petit peu. Bien. Continuez les dernières. Hop, hop, bougez, bougez. Allez, hauteur de fesses, en haut, en bas, en haut, en bas. Chou, chou. Relevez-vous, ouvrez les jambes, squat de deux. Une, deux. Gentiment, on cible maintenant un peu plus l'intérieur des cuisses. Un, deux, et vous revenez. Parfait. Imaginez-vous, vous avez un halter dans les mains, descendez avec. Une, deux, et ramenez-le vers le nombril. Un, deux, et revenez. Hop, une, deux, et je reviens. Mes épaules sont vers l'arrière, même quand je me penche devant. Et un, deux, et je reviens. Et je reviens. Bien. Toujours même tempo, ne changez rien. Et revenez. Appuyez un peu plus avec les fesses. Voilà. Encore. Appuyez et réappuyez encore. Même chose. Très bien. Rangez les mains sur les hanches. Asseyez-vous, stop. Restez en position sumotori. Jambes larges, genoux sur les extérieurs. Baissez de ça les fesses. Hop là. Restez. Travaillez un peu isométrie sur les cuisses. Ça brûle sans bouger. Restez. Jetez un œil à mon talon droit, talon gauche. C'est simple. Droite, gauche, on y va ensemble. Et... droite, gauche. Sans bouger la hauteur de la tête, ne bougez pas la hauteur de la tête. Hop, hop. Là, vous y êtes. On passe au level 2, les deux talons en même temps. Une. Levez, levez. La même chose encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Petit squat. Si ça devient trop difficile, levez-vous un peu, d'accord? N'hésitez pas, récupérez 2 secondes et revenez ensuite avec nous en bas. Inspire, expire. Allez, on va le chercher, on descend. Un tout petit peu plus. Écoutez les amis,
bloquer en bas. Restez. C'est là où ça va commencer à chauffer un peu plus. On commence directement avec les deux talons en même temps. 1. Redressez-vous un petit peu. Chop, chop. On est pas mal. Descendez les fesses, montez plus haut le talon. 1. Voilà. Faites-moi les dernières. Chop. On passe au niveau 3. Enlevez-moi ces mains. 1. Montez, montez. Ça chauffe. Résistez encore un peu. Très bien, comme sur l'échauffement. On glisse à droite, on glisse à gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. On se redresse, Josh. Voilà. Sur le côté, nickel. Essayez de ne pas avoir une posture fermée, mais une position ouverte. Les bras devant vous. Tendu, fléchi. Allez, suivez mon rythme. Hop, hop. Large sur vos appuis. Un stretch, un squat, un stretch, un squat. Plus une. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Droite, gauche. La même chose. Pas fini. Boum, boum. Chou. Allez. Hop, hop. Bien. Très bien. Tout le monde reste à droite. Stop. Restez ici. Mettez les mains sur les hanches. Pivotez sur votre droite. Vous avez une fente qui s'est formée. Fléchis derrière. Et une, et je reviens. Allez chercher jambes fléchies. Hop. Hop. On descend. Parfait. Est-ce qu'on peut chercher un tout petit peu plus? Une. On redresse la poitrine. Allez. En bas, en haut. Bien, revenez en face, petit squat large, inspirez, expirez, allez, faites-moi les dernières, 4, 3, pivotez de l'autre côté, 1 et je reviens, hop, on descend et on pousse. Si c'est trop difficile, vous ramenez un petit peu la jambe arrière par l'avant et vous faites de moins grandes flexions. On descend un peu plus les autres. Poussez. Hop. Hop. Sollicitez les muscles de la cuisse. Jambes fuselées pour cet été. Tirez. Une. Revenez en face. Petit squat. Tout petit. Là, vous ressentez vraiment normalement. Allez. Bien, trois fois, deux, revenez avec nous, point de talon. Regardez, une et un squat. Élévation latérale, squat. Latéral, squat, mais squat une jambe. La jambe qui bouge, garde le talon en l'air. Hop là. Encore. Bien. Ok, l'autre jambe, l'autre côté. Une, talon, reste levé. Hop. À la fois une forme de récup, à la fois un travail de la jambe et de la fesse. On sollicite un peu plus maintenant. Une. Et une. Poussez. Bien joué. Très bien, restez en bas, stop. Faites-vous plaisir les amis, il nous reste 1 minute 30 de cours, profitez-en. C'est pour moi, on reste, on tient, on tient. Restez, tendez les bras devant. Est-ce qu'on peut s'appuyer un peu plus sur les talons? Oui, quitte à ce que les pointes de pied se décollent légèrement.
Restez. Un centimètre plus bas. Inspirez, expirez. Restez encore. Pour la dernière minute de cours, redressez-vous. Squat, gentil, gentil, de deux. Une, deux. Just be a queen. Encore. Un et deux. Récupération active. Toujours deux et deux. Une, deux. Bien. Un, deux. Même chose. Une, deux. Encore une fois. Super, la même chose, plus rapide. Soufflez, soufflez. Allez, hop, et on pousse. Si ça devient trop dur, un sur deux suffira. Les autres, plus bas. Un, et on va chercher la ligne des genoux et on revient. Pousse, reviens. Chop. Bien. On peut chercher un peu plus avec le genou qui se lève. 8, 7, 6, 5 fois je descends plus. 4. Prêt pour l'autre jambe? L'autre jambe. 1. Hop. Hop là. Il va nous rester même pas 15 secondes et ça sera que des petites en bas. Préparez-vous les amis, après il n'y a plus rien, promis juré. Vous êtes prêts? Tout petit en bas. 1. Allez, on s'accroche. C'est maintenant la dernière ligne droite. Travaillez. Plus encore. Hop. Oui. 16 belles. 16 belles. 1. Baby, I was born this way. Un peu plus bas pour. 8. 7. Les 4 dernières. Squat à pas droite. Gentiment. Très bien. Talons, fesses. Bien joué. Récupérez. Relâchez gentiment vos jambes. Décontractez. Et relâchez complètement. Le travail est fait et fini. On passe aux étirements. Ça va à la maison? Oui. Allez, réouvrez les jambes. Large, plus large que votre poitrine, plus large que vos épaules. Laissez descendre gentiment les bras, la tête, jambes tendues. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Ressentez l'arrière des cuisses qui s'étire, le bas du dos. Les autres, allez chercher un peu plus bas. Fléchissez vos jambes, déroulez-vous. Rapprochez point de talon, point de talon. On va étirer la partie qui a le plus travaillé, les quadriceps. Attrapez la pointe, trouvez un point d'équilibre, fixez le point loin devant et inspirez, grandissez avec le bras. Ouvrez doucement le talon que vous avez, posez-le devant vous avec sa pointe relevée. Poussez les fesses vers l'arrière et bien travailler. Et lentement, déroulez-vous. L'autre jambe. Derrière, serrez les genoux, poussez légèrement le bassin vers l'avant. Inspirez. Ouvrez, posez devant vous. Déroulez-vous. Inspirez, allez chercher très haut avec les bras. Expirez, allez chercher bas, descendez. Revenez, inspirez. Restez en l'air,
croisez les doigts, poussez les paumes de main, arquez le corps, arquez-le de l'autre côté. Revenez sur le milieu gentiment. Poussez un peu plus haut pour finir. Ouvrez vos bras et relâchez d'un coup. Voilà votre cours spécial fessiers et jambes. C'est terminé. On se retrouve nous très très bientôt sur cette même chaîne D8 et sur cette même émission Gym Direct. Si justement vous voulez participer à l'émission Gym Direct, c'est très simple. C'est gym@canalplus.fr. Pour revisionner l'émission, D8.tv. Et pour les conseils de nutrition, mangez-bouger.fr. C'est tout. Bye, ciao.